coucou, j'arrive, je suis là. Comment vous allez ce matin? Un petit stream colo, ça manquait. J'ai très beaucoup hésité, c'est pas français, mais c'est pas grave, à faire un stream colo ou à faire un stream pour voir les nouveautés littéraires. Parce que Alice m'a trouvé un site où il y a tous les romans sortis, qui vont sortir. Mais je le ferai demain. J'ai été raisonnable, je me suis dit c'est le matin, je vais pas trop parler. Je dis ça, les stream colo, je parle toujours trop, mais... Merci Yoru pour ton Early Prime. A que coucou. Vous avez bien dormi? Alors pour aujourd'hui, je commence direct parce qu'après on pourra papoter pendant que je colorie, mais tu vois, rentabilisons le temps un petit peu parce que déjà que je suis longue à colorier, alors... J'avais envie de colorier au feutre. Et du coup j'ai pris ce cahier là que j'ai utilisé qu'une seule fois pour le moment pour... ça. Vous en souvenez-vous, peut-être. Est-ce que ça va la musique déjà? Parce que je parle, mais... 14 mois déjà, c'est incroyable, j'espère que toi aussi tu vas bien car tu te préoccupes beaucoup des autres, mais c'est important aussi de te demander, enfin voilà, I love you. Je vais très bien Théo, c'est très gentil de demander. Du coup voilà, donc là en fait j'hésite entre ou celui-là, ou celui-là. Ouais, on essaie de trucs un peu dark. En sachant que ces cahiers-là, c'est pas l'idéal pour les feutres à alcool, ça fait quand même des petites traces mais légères et ça se couvre facilement avec le crayon, donc... Donc voilà, je suis dans l'hésitation. Le deuxième. Ça va et toi, Siloé? Je vous raconte après mes bails de nuit, de projet de la journée et tout. Le deuxième. Ok, d'accord, c'est unanime. C'est vrai que le deuxième change un peu de ce qu'on peut voir habituellement. Hein. Je suis d'accord. Ça tranche, quoi. Ça tranchouille. Je vous montre en entier, quand même. Ça peut être pas mal. Attendez, je vais peut-être vous monter un peu plus. Bon, je vous monte là. Du coup, je vous monte là. Là vous êtes haut, là, hein. Je suis dans les hauteurs. Voilà, c'est mieux. Hop. Le premier style. Ah, le premier est très stylé aussi, hein. C'est pour ça que j'hésite, j'ai envie de dire. Sinon, s'il y en avait un qui était moche, la question ne se poserait point. Mais j'aime bien le côté meuf papillon un peu morte de l'intérieur, tu sais. C'est pas du tout une vibe de printemps, mais pourquoi pas. Donc musique, c'est tout bon? C'est pas trop fort pour vous? Merci Miss Louf pour ton sub! 14e mois, c'est beau! Ah ouh! Ah pour Miss Louf, je suis obligée. Et merci Classical Bru pour ton follow! Par contre, c'est une page de fin, donc elle se relève. Ça me... Hein? Bon, c'est pas grave. N'oublions pas le papier derrière, pour pas que ça traverse. Et que ça me nique le dessin de derrière, ça serait ballot. Ouais, parce que j'ai vu vos réponses tout à l'heure, oui, non, mais je sais pas sur quoi c'est, tu vois. Donc, non, c'est bon, parfait. Meuf papillon morte de l'intérieur. Bah, un peu. Un petit peu. Alors déjà, un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est les ailes. Vous avez peut-être même pas encore vu qu'il y en a. Mais je pense, comme d'habitude, je vais partir sur ce que je sais. Et après, je pimperai. Alors, il faut savoir qu'elle a des feuilles mortes un peu partout. Que je pense faire en orange. Du coup, orange brun. Et elle en a aussi dans les cheveux. Et je verrai bien les ailes. Bah, du coup, j'ai envie de dire dans ces teintes-là. Tu vois ce que je veux dire? N'est-ce pas, Miss Louva? Tu mérites. Alors après, dégrader avec les feutres, c'est toute une aventure, hein. Et en général, je le fais plutôt au... Comment ça s'appelle? Au crayon. Mais je pense que je peux peut-être tenter deux couleurs proches, là, pour le coup. Pourquoi t'es stressée pour le coloriage? Parce que moi, je colorie, parce que tu veux colorier. J'aurais dit violette. Alors, c'était ma deuxième idée. Ou, parce que du coup, il y a les feuilles qui partent en marron-orange. Ou je fais les ailes dans la même teinte. Ou j'avais pensé à rose-violet. Mais j'ai peur que ça tranche avec l'ambiance du dessin, quoi. Par contre, j'avais pas réfléchi, mais... colorier la robe, là. La grosse zone. Ah, vous voyez pas encore. Parce qu'en fait, le feutre, quand ça sèche... Il faut aller très vite pour pas que ça fasse de démarcation. Et les grosses zones comme ça, c'est pas ouf, tu vois. Ça, je vais en chier. Hein. Courage, Katsuki. Salut, Emily. Crom. Rose-violet? Ah, je sais pas. J'ai peur que ça tranche trop. Je vais déjà faire la robe, même si c'est le plus dur. Parce que la robe, je la vois d'une couleur précise. Après, est-ce que je vais avoir le feutre adéquat? Ça, je ne sais pas.
J'ai pas le feutre adéquat. En gros, je verrais ça en P1, mais en plus clair. En prune, mais tu vois. Parce que ça, c'est hyper foncé. Peut-être celle-là. Faut que je vise du pastel, de toute façon. Ou celle... Ah, peut-être le R11. J'ai une vibe automne, tu vois. Salut mon Didi! Quand je colorie, je deviens anxieuse quand je dois choisir des couleurs sur modèle. Ah ouais, quand même. T'as un gros niveau d'anxiété quand même, mais c'est pas bien grave. Au pire, c'est... Alors, tu sais quoi, pour t'enlever le stress, tu photocopies ton dessin avant. Comme ça, t'auras toujours le modèle vierge à côté. Bravo, Siloé! Putain, je suis trop fière de toi. Et tu te sens... Oh, ça me fait trop plaisir. Siloé nous avait raconté une histoire hyper sordide avec son mec qui avait reçu des nudes de sa meilleure pote et elle était restée avec, enfin... Et alors, putain, je suis trop contente pour toi. Le BG4, il est beau. Oui, mais c'est pas cette couleur que je veux. Mais oui, il est beau. En vrai, je pense que je vais partir sur R11. Merci pour Follow Cookie. Elle mérite les compliments, la Siloé. Hein. Ou alors V230, Matt. Ou elle... Ah non, celui-là! Le R250, regarde. C'est bien, ça. C'est bien, c'est ça. J'ai le cœur qui a battu. Quand le cœur a battu... Il faut le suivre. Par contre, il faut que je le retrouve. C'est toujours un plaisir de retrouver les couleurs. Hein. Ça, c'est... R250. Où il est? Il est là! Merci, Cookie. Ça a l'air hyper chill ici. Mais c'est chill. C'est chill. En général, on est chill. Sauf quand je joue à un jeu vidéo. Là, je suis moins chill. Mais oui, on est plutôt chill. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? On est chill? Ah, oh, j'aime bien, on est chill. J'aime bien. Il y a des mots comme ça, je les aime bien. Chill, c'est sympa. Salut Lily, ça va et toi? Allons-y. Et encore une fois, donc je fais mes bases au feutre à alcool et les crayons feront les ombres. Hein. Enfin, je ferai les ombres au crayon plutôt. Premier live pour moi en direct depuis le premier shop courrier que je te suis, très contente d'être là. Bienvenue Léanuche. Ah par contre, ça sent l'alcool. Oh, j'ai ouvert... Alors attends, pour vous dire le temps qu'il fait à Grenoble... Hein. J'ai ouvert ma fenêtre là, attends, je vais vous montrer une preuve parce qu'après vous allez me dire, Thibaut, tu mytho, regarde. La fenêtre est ouverte. Il fait chaud. Et en plus, je suis contente d'avoir pu ouvrir parce que les feutres à alcool, ça... Tu vois, ça dégage une certaine odeur. Allez, on y va. J'ai pas utilisé de feutre depuis longtemps, donc on va faire d'abord la petite zone. Hein. Je me lance quand même dans une... C'est bien parce qu'en plus je commence tout de suite par la grosse zone, enfin par le truc où il va y avoir le plus de... De cafouillage possible. C'est cool. Ah ouais Lily, ouais. Coucou Matibou, comment vas-tu? Chouette un stream colo, je bois mon petit thé matcha dans ton stream au réveil. Nice. Merci pour le follow. Kilaranbz. Je sais jamais comment m'habiller quand il fait froid, mais pas trop. Alors, tu t'habilles été, mais avec une veste ou un collant. Bon, je pense pas que tu mettes de collant, avec une veste. Tu sais, tu rentres le mi-saison style. Allez, we can do it. Faut bien que je me lance, hein. Le problème, c'est que comme le papier est pas optimisé non plus pour les feutres, je peux éviter les marques sur certaines zones, mais d'autres, c'est compliqué, quoi. C'est un challenge. Écoute, j'avais envie de difficulté de bon matin. J'ai l'impression que ça va. Après, au pire des cas, comme c'est une robe, c'est pas comme un visage. La robe, je peux toujours mettre des ombres. Enfin, ruser un petit peu avec ça. Et mettre des ombres à des endroits où normalement il n'y en a pas, tu vois. Mais mettre un pli ou... Je peux couiller, quoi.
Mais j'ai l'impression qu'on n'en est pas trop mal sortis. Vous voyez pas grand chose en fait. Vous voyez pas grand chose. Ah mais les petits gilets, c'est la vie, hein. Moi en ce moment, je vais au sport en robe d'été, hein. Je vous zoome un peu. Vous voyez un peu ce qui se passe. Donc ça bave un peu. Vous voyez par exemple la feuille. Bon, vous voyez peut-être pas encore à temps. La feuille de base, je l'ai pas débordée, par exemple. Enfin, quand j'ai colorié, j'ai bien colorié autour. Mais comme le papier est pas fait pour, vous voyez, ça a au final dégorgé sur le contour. Alors c'est pas grave du tout parce que c'est une couleur claire. Mais quand tu fais ça aux couleurs foncées et que t'as des trucs super précis, c'est hyper relou. Donc genre typiquement sur ce papier-là, je peux pas faire un colo genre hyper minutieux que je veux faire hyper à fond, quoi. Va-t-elle faire une tâche? Ah non, mais non. Eh, faut pas vous angoisser pour de la merdouille non plus. Y'a pas besoin de vous angoisser pour ça. Alors j'ai mis une feuille en dessous déjà, Pirichou. Hein. Bah regarde, j'ai bien fait. Tu vois? Ça a traversé sur la feuille en dessous et ça n'a pas retraversé en dessous. J'ai mis une feuille en dessous déjà. Ah oui, il faut. Et ça arrive que moi je déborde, hein, mais je veux dire que sans déborder, c'est déjà complexe, quoi. C'est comme ça, c'est la nuit, c'est les... Eh ben oui, c'est le hasard. Hein. Salut ma Gaïa, passe une belle journée. Et donc ouais, j'ai grave hésité pour le stream de ce matin entre stream colo ou stream où je regarde les nouveautés livresques qui vont arriver. Mais je me suis dit, vas-y, pour un matin... J'avais très envie de colorier déjà. Et je me suis dit, pour un petit matin, c'est sympa de colo. Et puis je pourrais faire le stream sorti demain. Du coup, j'ai très très hâte d'être à demain. Alice m'a trouvé un site où il y a tout qui est noté. Alors là, par exemple, tu vois, je dois faire le tissu entre les cheveux. J'essaie d'y aller délicat, mais bon. Comment dire qu'elle va se retrouver avec des cheveux roses. Hein. C'est pas grave, c'est un style après. Hein. Il faudra que je lui fasse forcément des cheveux un peu plus foncés. Si là je le fais blond clair par exemple, ça va se voir qu'elle a des cheveux roses chelou, quoi. Mets-en une deuxième si déjà la première est traversée avec une couleur claire. Ah, une deuxième feuille, tu crois? Ben là j'en ai pas. Attends. J'ai une enveloppe que je peux mettre encore en dessous. Voilà. Emma le ruban te fait des bisous de loin, vu que t'es malade. Merci pour follow Coco Yazon. Voilà, on va arriver à la partie cool. Le bas de la robe. Attends, faut pas que je lui colore son bras par contre à Cocotte. Hein. Donc là, tout ça. Je suis en train de me prendre un petit shoot là. Ça me manquait les feutres à alcool. Ça me manquait le coloriage. Ouais, j'adore. Ça fait partie des trucs que j'adore. Mais que je prends pas tant le temps de faire que ça. Parce que bah j'ai beaucoup de trucs à faire en même temps. Est-ce que là c'est un cheveu? Bon, on va dire que là c'est de la robe. Hein. Oui, ça me paraissait le plus logique. Merveilleux. Mais si, Papa Lu, ça vient avec l'expérience. Oh merde, Chani, quelle horreur! Vas-y, porte plainte et deviens millionnaire, hein, tu mérites. Du coup, moi, aujourd'hui, alors j'aimerais beaucoup, beaucoup recevoir la box cube qui me manque, parce que j'en ai reçu qu'une des deux pour le moment. Ah, la robe, la couleur est trop belle, j'adore. Espèce de rose poudré là. Et donc ça serait très très cool que je la reçoive. Mais bon, voilà, ça dépend pas de moi. Au programme donc sur, je vais au cinéma cet après-midi voir Batman. Je vais passer à la boîte postale en sortant. Et
Ah si, mais ce midi je regarde Pinocchio, c'est aussi, c'est important. On va attaquer. Oh, j'ai pas envie d'attaquer cette grosse zone. La grosse zone, elle me fait peur. Hein. T'as vu cette grosse zone de la muerte là? Faut que je fasse tout ça sans faire de traces. Ça me paraît compliqué. Quand même. Tu peux le faire. Hein. Je sais pas. Après, il y a l'autre truc. À chaque fois, vous me dites d'utiliser l'autre truc, mais j'aime pas l'autre truc. L'angoisse de la tâche. Attends, il me faut une simu. J'ai pas de papier qui traîne là. C'est ouf, j'ai toujours des papiers qui traînent. J'ai trop rangé mon bureau. J'ai mon enveloppe. Attends. Ah, mais je vais pas gaspiller mon enveloppe. Attends, on va faire ça là. Ah bah non, ça va traverser, je suis con. Oh! Titi, on est à jour, non? T'as pas regardé le même épisode que moi? Ah, je savais bien que j'avais un papier qui traînait. J'ai toujours des papiers qui traînent. Non, parce que je vais regarder le deuxième en bout. Ah, j'aime pas. Bah, effectivement, c'est plus pratique. Genre là, j'ai fait ça direct, quoi. Je pense qu'il va falloir que je l'attaque par là. Hein. Qu'est-ce que t'en pensais, ceux qui s'y connaissent? Je prends le gros en bout. Lili. Nawel, comment ça se fait? Elle s'est foirée? Trop cool, Mimi, ça me fait plaisir. Gros en bout, petit en bout? Est-ce que je te tente gros en bout? Je pense que tu as gros en bout, c'est ça. Je pense que ça sera plus efficace. Hein. Thibaut, pour les petits détails avec un stylo bic, repasse sur les contours avant de s'attaquer aux petits détails avec le feutre alcool pour éviter les bavements. Oui, non, mais là. Ouais, bon, c'est pas grave. Crois en l'âme des feutres. Ah, mais vous m'aidez pas! Je crois en l'âme des feutres, mais. Bon. Attends, par contre, je vais essayer de vous optimiser parce que là, vous êtes loin de moi, ça m'arrange pas. Voilà, c'est pas mal. Fais les contours enfin et après prends le gros. Alors, le problème, c'est que c'est pas possible avec le feutre à alcool de faire ça. Fais le petit bout pour les bords. Le problème, c'est que je peux pas faire les bords et après le milieu, c'est pas comme au crayon. Tu m'étonnes, Nawel. Bon, écoute, hein, on va pas tergiverser 500 siècles. Vas-y. Gros en bout! Je prends le gros en bout! Après, je colorie quand même avec le bout du gros en bout, hein, mais... Tu vois, le problème, c'est que comme il faut aller très vite avant que ça sèche, si ça, je le fais au petit en bout, il y a forcément de la démarcation. I can do it! Attendre que ça sèche, hein.
J'ai mal au bras. Notre perso ne pas colorier une robe au feutre alcool après avoir fait aquagym. Alors, je pense que je peux me stopper à cette ligne-là. T'inquiète Lily, t'inquiète. En vrai, est-ce que c'est pas grave bien? N'est-ce pas Faun? On aime les gros embouts. Il y a juste... Alors, c'est pas encore total sec, donc je sais pas si elle va s'enlever. Franchement, je pense que j'aurais pas eu un truc aussi propre si j'avais fait au petit, pour le coup, ça aurait séché beaucoup trop vite. Il y a juste ici... Bon, faut vraiment que je joue de bâtard, mais vous voyez, il y a ici une marque. C'est pas exclu qu'elle s'en aille pas en séchant. Et elle se voit pas du tout. Sur le colo, de loin... C'est pas, c'est un truc que je pourrais totalement effacer avec les ombres, quoi. Donc, je pense qu'on s'en sort plutôt bien. C'est quel dessin, une robe Iris, c'est une fille papillon. Ouais, ouais, on s'en est... Franchement, je m'en suis très bien sortie. J'ai mal au bras, mais... mais je m'en suis bien sortie. Je suis contente. Surtout qu'encore une fois, c'est pas un papier qui est fait pour de base, donc je sais pas si vous vous rappelez, sur le même type de papier, on avait fait une fille en bleu, avec des grosses tresses, et j'avais eu des grosses marques sur son visage, alors que pourtant j'y étais allée vite, hein. Donc en soi, on s'en est vraiment bien sorti. Hein. Coucou Kali. Pour celui-là, je pense que je peux utiliser le feutre normal que je préfère. Surtout qu'il y a les feuilles sur le passage. Et donc ouais, je passe à la boîte postale cet après-midi. Je me demande si vous m'avez écrit. Je vais vite voir ça. Hein. J'espère, j'aime bien recevoir vos lettres. Bon, là, c'était moi qui ai un peu débordé, mais bon, c'est pas très grave. Après, tu vas me dire, il n'y a rien de grave dans la vie, de toute façon, en coloriant, hein, c'est pas... celui-là. On voit la différence de quand c'est sec. Ouais. Ah ouais. Ouais, bah Lily, j'avais réussi à la rattraper avec des crayons quand même. Je te prépare un truc, mais je vais pas l'envoyer les trois encombrants, donc j'attends que tu passes dans le sud. Dans le sud où? Salut Dracolos. Je suis pas... Je sais pas du tout quand je vais revoyager et encore moins dans le sud, je t'avoue, mais... Par contre, tu me fais un peu peur avec ton encombrant. Ah oui, bah Pirichou, ça reste un rongeur. Essaie de lui mettre plus de trucs pour grignoter. Enfin, pour ronger. Il va sur tes livres, peut-être parce qu'il a pas assez de bois ou de bidule, tu sais.
J'allais dire mets un filet devant tes livres, mais il va bouffer le filet, donc... Je comprends, tu sais, j'ai des chats qui rongent le carton alors que c'est pas des rongeurs, donc tu vois, je... Je juge pas, hein. Karu-chan est au courant du encombrant, il est juste un peu grand. Bah après, en vrai, Lily, si tu me préviens avant l'envoi, ça va, hein. Si tu me dis, bon bah meuf, je t'envoie un truc qui fait 2 mètres de haut, mais c'est pas lourd. Par contre, si c'est un truc comme ça, dis-moi ce que c'est peut-être, non? Enfin, que je sache si je le veux ou pas. Non, parce que... Si tu m'envoies, par exemple, je sais pas, un carton... Avec... J'en sais rien, moi, un portrait de... De Tommy Shelby. Genre, tu sais, les trucs de cinéma, là. Oui, là, oui. Là, oui, mais si c'est un carton avec le portrait de... L'acteur de 50 nuances de Grey... Tu vois, ça sert à rien, tu me l'envoies, tu vois. Un chevalet. Qu'est-ce que j'en foute? Moi, mon courrier part aujourd'hui. Oh, Lily. Bah, du coup, je le récupérerai forcément pas aujourd'hui, puisque je vais à la poste aujourd'hui, mais je le récupérerai dans les jours à venir. Et on a fini la robe. La robe, la couleur, je sais pas ce que vous en pensez. Attendez, je vais vous dézoomer un peu. La couleur est sublissime. J'adore. Moi, j'attends que tu déménages pour te renvoyer des choses. Toi, vous pouvez m'envoyer des lettres, hein. C'est pas obligé de m'envoyer des trucs à... Genre de me gâter, tu vois. C'est trop d'envoyer des lettres. Hein. C'est un truc que tu vas aimer, il n'y a pas de carton qui passe. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle est belle la robe, hein. Mm-hmm. Je suis d'accord. Du coup, la ceinture au milieu, ça c'est R250. La ceinture au milieu... Du violet, non? Le R11? Un Tommy et Shelby à vraie échelle, ça serait trop grand. Ça serait beaucoup trop grand. C'est ta story, la dernière fois, t'as dit qu'il fallait pas finir un truc. Ouais, alors, normalement... Demain, on a une visite le matin pour vérifier que tout va bien, etc. Pour avoir un peu la dernière vision avant de récupérer. Et on a les clés de l'appartement à la fin du mois. Donc, normalement, on est bon. C'est Kim qui serait content. Mais tellement! J'y ai pensé, mais je tiens à ma vie. Ouais, R11, c'est pas mal. Mais je sais pas, je suis pas convaincue. J'aurais plus un truc vers les brins, mais les brins me plaisent pas. Peut-être celui-là. Ou alors le gris chaud. Du bleu gris pour la ceinture. Ah bah tiens, vous êtes connectés. Ah, celui-là genre? Ouais, pas con. Le clair ou le foncé? Ah, je dirais, de toute façon, le clair, comme ça, je ferai les ombres après. Hein. Partons du principe que, de toute façon, au feutre, je fais rarement du foncé. Hein. Donc, le BG203. Parce qu'ici, on aime les BG. Et on est tous des BG. Il est où, mon BG? J'ai CG. CGT. je vois pas. Toujours pareil, de toute façon, je trouve jamais rien. BG... BG209, on n'est pas loin. BG205, on n'est vraiment pas loin. BG203. Déjà, je pense que quand je vais les donner, je serai peut-être éventuellement, voire sûrement, me prendre un bidon de crème fraîche. Putain, mais Lily, tu m'intrigues de ouf. Mais de toute façon, s'il faut qu'on soit IRL, potentiellement, tu me le donneras jamais. Hein. Donc en soi... Non mais c'est voilà. Pour la... Parce que, tu vois... Je n'ai pas prévu de quitter Grenoble ou... Alors, à part Paris de temps en temps, mais dans le sud pour le moment. C'est peut-être cet été, je vais chez Princesse. Vers Bayonne. Bon, ça va, elle va pas m'en vouloir dire vers Bayonne, c'est quand même assez large, tu vois. Vers par là, tu vois. Mais ce sera en vacances, tu vois, donc. Donc potentiellement, je peux pas te démonter maintenant, parce que si ça se trouve, je l'aurai pas le machin, tu vois. Si t'attends qu'on se voit IRL, ça peut être complexe. Et Tam Tam, hein, cul. Donne pas des mauvaises idées aux copines, toi.
Putain, j'espère que le Batman, il va me plaire. J'ai pas envie d'y aller en vrai, mais je me dis, allez, faut le voir. C'est un DC, t'aimes beaucoup... En fait, j'adore l'univers de Batman, mais déjà, c'est très sombre, donc moi, ça me fait bader. Oh, j'adore cette couleur! Mais du coup, j'espère que ça va me plaire et que je vais pas bader et que c'est bien. Oui, Lily, tu fais clairement déjà partie de la team Dingote. Hein. Ça va, Ubé Patata? Et pour ceux qui ne situent pas, Lily et Tammy m'ont déjà offert des cadeaux, beaucoup trop cadeaux, tu vois. Genre, c'est pas un petit truc mignon comme ça, bam, c'est qu'elles ont vraiment, genre, tu vois. Ah, t'as bien aimé, bébé? Je verrai. De toute façon, j'ai pas le choix, hein. Faisons les... Ah, il y a des livres, là, aussi. Mais faisons les feuilles. Les feuilles, je veux... Alors, attends, le problème, c'est que les feuilles... Les feuilles. J'aimerais bien faire le dégradé maintenant, en fait. Je verrai déjà franchement celui-là, le YR33, là. Ou un apprenant. Je crois que tu n'es pas prête pour ton anniversaire, je dis ça, je dis rien. Putain. Comment tu peux... Déjà, attends, on est le 9 mars. Comment tu peux parler de mon anniversaire, on est le 9 mars? Oui, c'est celui avec Robert Pattinson, ouais. C'est quoi le rapport, Pirichou? Oui, il dure 3 heures, bah oui. Bah, sinon, je prends ce orange-là, le abricot, là, et lui. Ah oui, c'est une très bonne idée, ça. Y10, YR33. YR33. Y10. Il est où, le Y10? C'est Y10? Oui, c'est Y10. Ah, mais c'est du orange. Ça ne change rien, c'est quand même Y10, certes, mais... J'ai un bleu au milieu de mes oranges, ça n'a pas de sens, hein. Y1, Y2, Y6, YR5, YR1, YR30. Y10! Mais il est en plein milieu. C'est dans 5 mois. Bah oui! Mais c'est long 5 mois! C'est long 5 mois, vous êtes pas censé déjà savoir! Alors, orange comme ça. Et ouais, peut-être verte. Salut Manon! Ah, il y a une romance! Ah! Oui, bon, remarque, c'est pas très dur à deviner avec la bande-annonce. Il me faut du vert. C'est pas con de faire un peu de vert. J'ai Y8, j'ai Y43. J'ai décidé. J'ai Y8, il est où? Il est là. Et j'ai Y43, j'ai trouvé les deux, j'adore. Comment vas-tu ce matin? Bah écoute, je vais très bien. Voilà. Je sais plus comment on fait les dégradés. Ça va être découverte. On va essayer avec une feuille. On va essayer celle-là. Ça dit, si je me force, ça va être moche quand même. Hein. Pas mal. Vous voyez rien. Vous voyez rien, vous voyez un point. Ah bah, comment ça dure, Manon? J'aurais les méchants avec toi? Bah Lily, si, l'organisation c'est ta cam. Si t'as déjà prévu mon anniversaire alors que c'est en août, on peut dire que t'es organisée. Hein. C'est pas mal, non? C'est quoi le livre de colo? J'ai pas mis le son. Bah comment tu veux que je te réponde alors? C'est une drôle d'idée. Oui, la Yayou, et vous avez des émotes aussi dans le chat, même si vous êtes pas seul. Merci la Yayou pour ton compliment. C'est très beau comme couleur, je suis ravie. Voilà, c'est un petit plaisir. Du coup, de loin, vous voyez pas grand-chose. Hein. Ah merde, c'est lui, c'est con ça. Ça c'est ballot, hein.
J'adore mes dégradés. Eh, c'est magnifique. Non, mais voilà, je me la pète, mais... Il parle juste un peu froidement. Ah, ok. Ouais, bah quand même. Regarde. Ça rend bien. Je sais pas encore si je la fais rousse. Je verrai. Je fais au step by step. Dans ce qui m'inspire sur le moment. Oh, tu m'étonnes, Papa Lu. Comment tu fais? Tu fais carte par carte? Là. Je me tâte aussi des fois avec la mienne, mais... La musique me... Je sais... Ah oui, c'est pas sur téléphone, ah mince. Celle-là, je vais la faire en vert, je pense. Du coup, celle-là en jaune aussi. C'est super chiant, il y a des travaux tout le temps en ce moment dehors. Peut-être le garage pas très loin qui... Enfin, je sais même pas si c'est un garage, il y a un bail pas très loin. Je dois fermer la fenêtre, c'est chiant. Hop. Je vais m'asphyxier avec mes feutres à alcool. Hop là. J'ai failli faire tomber ma guirlande. Ça aurait été couillon. Hop. Le stream Vinted. Faudrait Tam Tam, en vrai faudrait. Après j'en ai refait des ventes Vinted, mais de mon côté en fait. On va déjà faire un peu le vert. Elle a des livres dans les mains. Oui mais je vais la faire en vert, Ciboulette. Attends, c'est quelle couleur? On va dire c'est la bonne. Ah, c'est pas la bonne je crois. Je vais devoir ruser. J'ai commencé par la foncer. C'est couillon. C'est pas grave. Enfin, je crois. Je sais pas. Ah non, c'est l'inverse. C'est pas grave, ça marche aussi dans ce sens-là. En général, je fais l'inverse, mais regardez, ça marche. Hein. Bah, du coup, ça vous fait. Vous, ça vous, vous avez l'impression d'avoir une tache noire, mais non. Hein. Attends. Hop, c'est une feuille. Ah, cool, Manon! Par contre, il est vraiment foncé, mon GY machin, donc je vais le faire vraiment que au boubou. En fait, le contraste, il se voit un peu quand ça sèche. Mais vous, je pense pas que vous le voyez... À l'œil nu, il se voit bien, en fait. Mais... Merci pour le follow, Marine. Mais vous, je pense pas que vous voyez quelque chose. Non, vous voyez que dalle. C'est trop simple comme nuance. Faut que ça vous voyez. Salut, Lisandre. C'est pas grave, moi ça me plaît, hein, c'est ma folle essentielle, mais j'aurais bien aimé que vous le voyez, mais tant pis.
Une fille qui aime lire obligée, c'est une des nôtres. Ah, grave. En fait, le premier verre que j'utilise, il devient très beau quand il sèche. Quand tu le poses, il est hyper foncé. Je vais voir la tête de la fille. Oui, bien sûr. Ah oui, Théo, je comprends. Ouais, j'aime beaucoup le bleu de sa ceinture aussi. En soi, typiquement, là, je m'embête un peu à faire des ombrages, alors que je pourrais très bien les faire au crayon. Hein. En soi. Je sais pas. Ah, Lily. Après, c'est joli aussi, les ombrages au feutre, j'aime bien. C'est juste que c'est plus long à faire, je trouve. En vrai, c'est pas vrai, parce qu'au crayon, c'est long, parce qu'après, j'utilise mon mélangeur, donc... Disons que ça se vaut. Voilà, comme ça tout le monde est d'accord. J'aime bien les couleurs, ça rend bien. Je sais pas si elle, je la fais en orange ou en vert. Après, il y en a aussi dans les cheveux, hein. Oui, Lisandre, effectivement. J'aime bien aussi les ombrages au feu de ciboulette. Alors, elle a une feuille ici, celle-là elle va être en orange. Attends, je rezoome un peu. Salut Corne de Glace, passe une belle journée. Ok. On est bon pour les pétales sur... Enfin les pétales, les feuilles sur la robe. Maintenant il y a celle dans les cheveux. Le truc c'est que pour les cheveux, je sais pas quelle couleur je lui fais. Déjà la peau et les ailes, là, va falloir attaquer d'autres morceaux là. Quelle couleur on lui fait la peau? Lisandre, un plaisir. Oh mon dieu. En sachant qu'on peut partir sur une peau de couleur atypique, hein, puisque bah, c'est une fée, donc enfin une créature escargot. Un papillon. Un papillon. Un papillon. Bleu azur. Bleu clair pour la peau. Bleu, j'aurais peur que ça sorte pas bien avec la ceinture.
Créature escargot, film Pinocchio. Ouais, j'y ai pensé aussi. Bon, même si elle, elle est quand même plus belle, hein. Merci Lily, passe une très belle journée toi aussi. Vous dites plusieurs dire bleu, hein, mais. Je sais pas. Dans les bruns alors. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me tâter pour ça. Après, faut que ce soit clair, quoi. Parce que je peux pas la faire trop foncée, parce que je pourrais plus faire les ombrages. Vert ou jaune clair. Non, je peux vous montrer les couleurs, hein. Merci Negami pour ton reprime. Bon matin tout le monde, passez une soyeuse journée remplie de bonnes choses. Toi aussi. Ah oui, ça devrait aller, Lily, effectivement. Une peau très claire. Ouais, je suis d'accord pour la peau claire, mais... J'ai ce vert là, qui est pas mal, si on part sur du vert. J'ai 220, E380. Attends, faut que je les trouve là. Dites-moi au moins quelle teinte c'est les enfants, parce que j'ai 220, c'est plutôt que c'est, il doit y avoir du green là-dedans, mais... Ah, j'ai 220, il est là. Oui, il est bien aussi. Et E380, il est là. Alors ça, pour le coup, c'est trop la même couleur que la robe, je pense. Ça ferait ton sur ton. Salut Yuri-chan! Lui, effectivement, il ressemble un peu au GY172. C'est juste que là, il fait un peu plus triste. Le 172, il fait un peu plus lumineux, quoi. Un peu plus solaire. Et après, j'ai l'autre feuille. Après, je peux faire une couleur de peau classique aussi, hein. G220. Ouais, déjà 220, ça me va. Je suis chaud. Et au pire, le dessin sera moche. Hein. C'est... Il n'y a pas mort d'homme. Alors attends, faut que je le trouve par contre. C'est toujours le même problème. G220. Où il peut être? Ce couillon. Il est pas dehors? Non, non, je ne vais pas l'utiliser encore. Parce que là j'ai un G20, j'ai 120. Moi je veux le G220. C'est ça, c'est G220. Ouais, G220. J'ai 400. C'est une blague. Attends, mais il me sort toutes les centaines là, mais j'ai le 120. En plus, dans les tons verts, il n'y en a pas 50 000 non plus. Bah, il y a quand même pas mal, ça me dit même. Exactement, les Andes. Exactement. Mais il faut que je trouve déjà, pour avant de vous accuser. Je regarde d'ailleurs au cas où il serait mal rangé. Hein. C'est une possibilité. Vu que c'est une couleur... C'est G220, c'est ça? Ouais, mais il peut pas être là, c'est pas possible. Mais c'est fou! Je lâcherai pas, hein. Je vais le trouver, hein. Il est là! Pardon, je vous ai crié dessus. Il était rangé avec les autres G. Non, mais je suis juste aveugle, en fait. Lime green, yeah! Bah le parme, il y a déjà sur la robe en fait, ça va faire beaucoup. Hein. Elle a un long cou par contre, en même temps pour un escargot c'est logique. Papillon, c'est un papillon. C'est pas un escargot la pauvre. Bon bah faut espérer que ce soit pas très moche. Tant mieux, bah Lisande ça me fait plaisir. J'espère que ça va s'éclaircir. Hein. Éclaircie. Éclaircie.
Parce que là, c'est quand même vert-vert, hein. Après, c'est pas moche, hein, le vert-vert, hein. C'est juste, c'est vert, quoi. On dirait la méchante sorcière de l'Ouest, un peu. Si vous connaissez pas la reste et que vous avez pas lu Le Magicien d'Oz, c'est inexcusable. Lu ou vu, d'ailleurs. Non, mais je pense que ça va s'éclaircir. En toute modestie, je le colorie très bien. Voilà. Non, mais j'avais envie de me lancer une petite fleur comme ça en passant. Voilà. C'est quand même très vert, hein? Pourquoi tu testes pas les crayons avant? J'ai un nuancier pour ça. Je suis pas trompée. J'ai 220. Bah non, c'est ça, hein? Non, mais il va s'estomper. C'est Vulcaine. Ah, tu sais qu'en ce moment, Gaëlou, ça me fait penser. En ce moment, tout ce que je lis, j'en rêve la nuit. Voilà. Non, mais si, ça s'estompe. Ça s'estompe. Regarde là. Enfin, vous n'allez pas encore voir, je pense. Mais ça s'estompe. Exactement, Chrome Chrome. C'est ça, en fait. On ne connaissait pas la vraie vie de Hulquette. Je savais même pas qu'il y avait une Hulquette, mais. Après, hey, c'est une meuf papillon, hein. Donc j'ai envie de dire. Est-ce que vous connaissez des meufs papillons? Parce que je veux dire, tant qu'on ne connaît pas de meufs papillons, on ne peut pas avérer que sa peau ressemblerait pas à ça si elle existait. Tu vois? Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, sur Twitter, j'ai vu passer une vidéo qui disait que les vampires ne pouvaient pas avoir d'érection parce qu'ils étaient plus vivants et qu'ils ne respiraient pas. Et que donc, du coup, toutes les fanfictions basées sur les vampires n'étaient pas possibles. J'ai trouvé ça... vrai et drôle. Oh, Bossari, courage, bonne journée. Ah, bah, Lisande, tu vois, voilà. Ça reste vert, hein, quand même. Hein. On est quand même sur un vert, là. Hein. Alors, moins balèze que ce qu'on avait au début. Mais ça reste vert. Mais après, c'est joli. En vrai, elle va être belle. Hein. Elle va être belle, mais... Attendez, c'est une fille papillon, puis escargot redevenu papillon, alors elle peut bien être une Hulquette. C'est pas faux non plus. C'est pas faux non plus. Oula, oula, j'ai eu un sprout pseudo. Heureusement, je suis pas arrivé sur le dessin. Non, mais il bouge plus du tout, alors partons de ce principe-là. Non, mais dans le principe que c'est des morts vivants, et que ça existe, les morts vivants, comme ils s'alimentent de sang, etc., je sais plus, le mec avait fait un truc. Mais en soi, je suis pas d'accord. Voilà. Bon, leur sang circule plus, donc c'est logique que ça monte plus, quoi. J'avais jamais pensé. Bah, en vrai, ça circule puisqu'ils en boivent. Et ils respirent. C'est ça, ils boivent du sang. Donc, peut-être quand ils boivent le sang, ça peut... Oh, c'est mignon, Chrome Chrome. Bon, je pense quand même qu'elle va rester verte. Hein. J'ai l'impression que ça ne s'éclaircira pas plus. Hein, mais c'est pas grave, écoute. C'est un beau vert, C'est bien le vert. On aime le vert ici. Qui n'aime pas le vert? Il est banni. C'est pas vrai. Paniquez pas. Je vous aime quand même. Quelle heure il est? 10h30. Pourquoi j'ai faim? Parce que je me suis levée à 5h30. Ah oui, c'est vrai, il y a peut-être un lien. Enfin, je me suis réveillée à 5h30. Je me suis dit, vas-y, je vais pas me relever à 5h. C'est mort, je reste dans le lit. Et bah, j'ai pas réussi à me rendormir, donc je me suis levée à 6h30. J'aurais pu me lever à 5h30, mais bon. Donc j'ai perdu une heure bêtement. Enfin, bêtement, j'étais dans mon lit. Je vais chier. Elle a un long couvert, du coup. Long couvert. C'est pas une ville au Québec? Long couvert? Mon couvert, non? Je sais plus, il y a quelque chose qui va pas. Salut Zachary! Un mort n'a plus de circulation sanguine, donc ça marche plus, sauf si ça marche que quand ils boivent, mais dans ce cas, c'est quand même pas mal contraignant. Mais techniquement, un mort marche plus. Ah, c'est ça, Titi! Il parlait d'électricité, je crois.
Je me rappelle plus. C'est Vancouver. Du coup, ça marche pas, ma vanne. Dommage. C'était si bien. Oh, je me suis tapé un fou rire hier soir, d'ailleurs, avec Kim. Parce que je me foutais de sa gueule, je sais plus pourquoi. Enfin, on était partis en délire. Et il fait sa tête, genre... genre... Et du coup, je le regarde, je fais... Oh, la bave du crapaud n'atteint pas le blanc colon. Parce que je voulais mettre blanche colombe au masculin. Et blanc colon, du coup, je me suis tapé une grosse barre. Parce que, en fait... Lui, il s'est tapé une barre parce qu'il a pensé au colon, genre pour faire caca. Et moi, j'ai pensé au blanc colon, genre blague raciste. Parce qu'un colon, c'est blanc et ça va envahir tout ça, tu vois. Du coup, on s'est tapé un fou rire tous les deux. Et quand on s'est rendu compte que c'était pas pour la même raison, on a encore plus rigolé. Non, mais le blanc colon, quoi. C'est quand même... Genre, ça me refait marrer. Ah bah, j'ai pensé au caca aussi. Et bah, tu es dans la team de Kim, voilà. Alors que moi, je suis dans la team histoire, hein, tu vois. Mais du coup, voilà, je me suis tapé une grosse barre. C'était très drôle. Et j'en chialais dans le lit, genre en mode « Oh, blanc colon !» Voilà. Donc au début, il s'est marré de me voir rire, puis vraiment, il avait pensé au caca. Et après, quand je lui ai expliqué, on a re-rigolé, parce que bah, du coup, on n'avait pas la même chose. Il faut un minimum de concentration pour éviter qu'elle ait des marques vertes au milieu de la gueule. Je crois que j'en suis très bien sortie, à part la bouche qui a été recouverte parce que ça a bavé. Mais c'est pas grave. Est-ce que tu pourrais nous donner la rêve des feutres? C'est sur ma page Amazon, Marine. Team Kim aussi, j'ai pensé comme toi. Ah, on voit... Ah, attends, j'ai l'impression que les mecs ont pensé au caca et les meufs ont pensé à l'histoire. Je veux savoir. J'ai l'impression que les mecs, vous êtes quand même bien plus caca. Hein. Après, n'ayez pas honte d'avoir un esprit basique et d'avoir pensé aux excréments, hein. Je vous aime quand même. Hein. J'aime bien mon mec, après tout. Hein. C'est... Égalité parfaite. Je suis une meuf, donc non, team caca. Ah bah, tu vois, c'est... Non, mais c'est bien. C'est bien. Il reste les cheveux et les ailes, hein. Je suis une meuf et j'ai pensé caca. Non, mais il y a un lien qui se fait vite, tu mets patata, tu vois. Tu vois, c'est lié. Attends, je regarde juste un truc. Non, j'ai pas d'appel manqué. Oh. Parce que j'attends un colis et j'ai pas de colis. Voilà, j'attends ma cube. Qu'est-ce qu'on fait pour les cheveux? Ah, Chrome Chrome, bah tu vois, t'es quand même plus dans ma team. Eh, vous êtes quand même beaucoup à penser au caca, hein. Elle fait un peu mort-vivante aussi, du coup. Violer quoi? Les cheveux? Oh non. Violer les cheveux ou violer les ailes? Ah, Lisande, c'est beau. Cheveux gris pour aller dans les tons. Zachary. Ah, les ailes violettes. Blonde foncée. Des cheveux dans les tons pastels. Bah, de toute façon, là, alors, le truc, c'est que, encore une fois, c'est la base du dessin. Il y aura les contrastes qui seront faits après au crayon. Donc, de toute façon, mes bases sont toujours claires. Hein. Elle va peut-être finir avec la peau vert bam. Hein. Merci pour le follow. Châtain pour les cheveux. Ça peut le faire. Auburn. Ça va être encore... Il faudrait des ailes un peu pétantes, non? Peut-être, ouais. Je suis pas fixée. Cheveux bleus ou mauves? Ailes orange. Rouge cheveux, châtain. Pff, vous partez dans tous les sens! Je ne sais.
Je lui mettrais bien la bouche de la même couleur que la robe, par contre. Je vais le faire tout de suite. Par contre, elle fait définitivement morte vivante. Hein. Genre... Aucun doute. Genre vraiment, c'est... Waouh. Et alors, et les yeux bleus comme la ceinture. Oh là là, j'adore mon idée. Avec un petit soupçon de jaune. Parce qu'elle est un peu morte et folle. Tu vois. Y3. Ah non, hein. Y2, Y1, Y6, Y3. C'est une belle mort vivante. Oui. On va mettre un peu... Attends, on va mettre un... F. Est-ce que je mets un tout petit point de jaune maintenant? Ou est-ce que je mets le bleu? Je vais vous approcher. Je les vois bien noires, vraiment en mode aile de papillon, genre noir et orangé. C'est joli aussi. J'aime bien l'idée, ouais. Je pense que je vais partir sur ça. Je vais tester un truc. Allez. J'ai pas oublié les feuilles dans les cheveux. J'attends de voir de comment je fais les cheveux. Elle est belle! Et je lui mettrai une ombre par contre sur les ombres à paupières. Et je suis d'accord pour le orange et noir pour les ailes. Je pense que c'est pas mal comme idée. Attends, je vous dézoome pour que vous ayez la. Coucou Virginie! Elle est belle de ouf, hein. Après, il y a déjà un peu de noir, je sais pas. Et si je les fais orange et vert, mais genre comme les ailes, comme les feuilles. Ces deux couleurs qui vont bien ensemble, genre les deux plus foncés de mes deux trucs. Le vert bien foncé. Et le orange bien foncé. Ah, crème crème. Bien vu. Ça fait vite carotte cuite. Pourquoi carotte cuite? Mais non. Ça va être Virginie? Ah non, c'est même pas moi qui a parlé, mais Virginie par la Tammy. Pardon de déranger, mesdames, hein. Vert et orange foncé. Ah oui, quand même. Audiard, je connais que de nom, mais ça donne pas envie de voir. Déjà, je me suis tapé tous les Truffaut. Orange, oui, vert, je me demande si ce serait pas un peu too much. Après, quand je colorie, j'aime bien rester dans les mêmes palettes. Hein. Je peux mettre un peu de jaune, parce que j'ai utilisé du jaune, du coup, pour l'œil, là, pour faire un reflet. C'est lequel que j'ai... YR33. J'ai utilisé... Ah non, c'est pas celui-là. Il est où, mon jaune? Je l'ai re-rangé? Ah non, il est là.
Y3, pardon. C'est lui que j'ai utilisé. J'aurais vu soit orange, soit bleu, soit les deux. J'ai mis les rêves d'un regard, c'est gentil, Titi. Mais les coloris matchent bien, on les voit à côté là. Mais... En fait, ce qui m'enquiquine, c'est que si je pars sur une couleur qui a rien à voir, ça va faire bizarre. Ou alors on fait déjà les cheveux. Cheveux, on part sur du châtain. Non, prune, non. Ah, quoique. Oh putain, mais le truc, c'est que j'ai pas assez de variation. En fait, je peux pas partir sur du foncé. Prune, ça aurait pu être joli. Mais je peux pas partir sur une... Tu vois, genre par exemple, cette couleur-là, elle est très belle. Mais si je l'utilise, je peux faire aucune subtilité au crayon de couleur. Donc il me faut forcément une couleur qui soit 50 000 teintes en dessous de ce que je vise. Vous voyez ce que je veux dire? Châtain, je pense qu'elle serait belle. Hein. Et ça met un côté un peu réaliste, j'avoue, dans le truc. Genre, je peux utiliser le Y11. Et même faire les bases des cheveux en Y9. Ouais, je pense que je vais faire ça. Y11, Y9. Je vais utiliser des Y, hein. Y11. Donc attends, le plus clair c'est lequel? Y11 c'est le clair, Y9 c'est le foncé. On va essayer, ok? Lissandre. Donc Y11 c'est mon clair. Y9 c'est le plus foncé. J'espère qu'ils sont vraiment... Est-ce que je tancherai pas encore plus? Je crois pas que j'ai plus clair que le Y11, hein. Ah, ou alors j'ai le sand, peut-être. Non, c'est trop la même. Tu vois, en gros, là, c'est ça mon Y9. Attends, je vous zoome. En gros, là, j'ai ces deux-là. Et j'ai peur que ce soit similaire. Parce que pour que le dégradé se voit bien, il faut quand même qu'il y ait un écart. Est-ce que je partirais pas plutôt sur ça? Non, mais ça, c'est vraiment... Sinon, il y a lui, qui est peut-être plus clair. Le E220 plutôt que le Y11. Oui. Ou alors, carrément celui-là. C'est bien le E220. Ouais. Je pense que c'est la teinte au-dessus, c'est peut-être plus safe. Hein. Désolé, Y11. J'ai peur que ça soit pas assez tranché sinon et que ça serve à rien, quoi. E220, bah j'ai trouvé tout de suite. Hop. E210, celui-là? Oui, mais là j'ai peur que l'on voit vraiment pas en fait. Que ça serve un peu à rien que j'utilise. Faut quand même qu'on le voit, quoi. Donc c'est Y11 en plus foncé et E220 en plus clair. Y9 en plus foncé, pardon. Alors, on va essayer de partir... je sais même pas comment je vais faire ça, en vrai. On va essayer de partir de là. On va faire une mèche. On voit aucune diff. On voit aucune diff. Enfin, c'est un peu plus foncé, mais... Je vais la faire du coup entièrement E220 et je ferai pas de dégradé là. Je le ferai au crayon. Ça sert à rien. Bah, en fait, après c'est ça... Oh, après c'est ça, on voit, mais ça donne juste l'impression que j'ai mis plusieurs couches ici, en fait. Donc ça a pas d'impact.
C'est un truc que j'aurais au crayon de papier hyper facilement en fait. Donc je vais faire tous les cheveux en brun et je doserai l'ombrage au crayon. Ce sera plus simple. Ah, par contre, pas plus loin de faire ça. C'est bon, oui, c'est bon, j'ai eu peur de ne pas avoir pris le bon. Nous, on te suit. Bah, de toute façon, il n'y a pas trop le choix. En fait, des ombrages au feutre pour les cheveux, ça peut être magnifique. Mais il faut que ça bâme bien. Genre, pour les roux, ça rend bien, tu vois, en général. Tu prends vraiment un orange et un jaune, par exemple. C'est pas du tout la même teinte. Là, c'est juste la même en plus foncé. Là, ça sert à rien. Ça permet d'aller plus vite pour le coup, mais... Il me semblait que j'étais repartie, mais non, c'est bon. C'est quoi ton rêve, Thibou? Waouh, bisous Yuri-chan. Dans quel domaine? Je pense réussir à me sentir toujours bien et heureuse. Dans une vie... en paix. Dans un pays qui va bien. C'est déjà pas mal. Et le fait d'être heureuse, bah ça lie forcément au fait que je fais un métier qui me plaît, que je suis entourée de gens positifs. Et que je, tu vois, je suis en bonne santé, que mes proches vont bien. Enfin, en gros, je biaise un peu. Je réponds par une question, par plein de questions. Ah, Lissandre. Fantasme, pourquoi pas? Et encore, les vampires. C'est sexy dans les bouquins, mais je pense que dans la vie... C'est comme les milliardaires, tu vois. Qu'on vous sert dans les romances de merdouille, là. C'est sexy dans les livres, mais je pense qu'en vrai, tu pètes vite un câble, hein. Ouais, bah c'est ça, Tam Tam. C'est... En vrai... je pense que, ouais, vu le contexte actuel... on relativise tous un petit peu ce qu'on connaît. On le prend moins pour acquis qu'avant, quoi. Par contre... je pense clairement que Macron sera réélu. Hein. Je veux dire... Mais du coup, il y a même pas de candidat de gauche d'ailleurs. Enfin, de PS. Il y a juste Mélenchon et 2-3 autres gars avec des petits partis entre guillemets. Mais en face, il a qui de gauche? À part Mélenchon qui tient la route niveau candidature. Enfin, niveau popularité. Parce que à droite, il y a Zemmour, ça on en a entendu causer. Hein. Il y a Le Pen. Ok. Moi, je vais tout faire, je vais me faire chier en fait. Pourquoi je me fais chier? Mais à gauche, il y a qui à part Mélenchon? Anne Hidalgo. Elle est à gauche, Anne Hidalgo? Jean Lassalle. Personne. Hidalgo et Jadot vont faire 3%. Oui, non, mais voilà.
Jadot, il est pas connu, enfin, je connaissais même pas son nom. Parce que je ne suis pas une référence, hein, mais... je sais pas, je veux dire, Mélenchon, tout le monde le connaît, Zemmour aussi, vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté où, en termes d'intention de vote... Il y en a, on sait qui vont finir plus haut que d'autres, quoi. C'est pas un scoop. Je fais une pause dans mon ménage, je connaissais pas Hidalgo. Hidalgo, je la connais parce que c'est la maire de Paris et que les Parisiens peuvent plus la saquer. Mais je savais pas qu'elle était de gauche. Je sais que les Parisiens en ont ras le cul. Il y a le hashtag tout le temps saccage Paris qui est en tendance sur Twitter. Ils en ont ras le cul des trucs de Kéké fait. Voilà. Ils la trouvent stupide. Donc j'avoue que je vois pas sa candidature en mode. Mais bon, après, voilà. Ça ne veut pas dire que voilà, mais. Mais je la connais comme ça, moi. Hein. De niveau de crédibilité, du coup, c'est pas ouf. Il y a 6 personnes à gauche, mais la seule personne qui a une chance de gagner, c'est Mélenchon. Oh putain, mais je pense pas que Mélenchon y passera, hein. Je sais pas. Je sais pas, il y a de plus en plus de gens qui l'aiment bien. Mais... Je sais pas si ce sera suffisant, hein. Je pense que son côté emporté, il peut séduire, mais il refroidit aussi pas mal. Je sais pas. Je vois pas Mélenchon gagner. Peut-être la prochaine fois, c'est possible, mais là, je le vois pas gagner. Après, bon, qui suis-je pour dire ça? J'ai imaginé Mélenchon face à Poutine, j'ai un peu ri. Je sais pas. Bah, disons qu'en fait, son côté emporté, pour le coup, joue pas pour lui dans un truc comme ça. Mais il sait être calme aussi, hein. Mais... J'ai l'impression que... Je sais pas. J'ai l'impression que les gens l'aiment de plus en plus bien. Genre, le considère de plus en plus comme une opportunité intéressante et tout. Mais j'ai pas l'impression qu'en termes de vote, ce soit si... qu'il ait beaucoup d'intentions de vote, en fait. Après, Macron, juste en 5 ans, il a eu toutes les misères à affronter autant sur une république entière ou presque. Ouais, ouais, ça, c'est ce que j'ai entendu pour le défendre, lui. Après, il y a des trucs qu'il a fait de son côté, ça avait rien à voir avec le Covid ou la guerre, hein. Enfin, je veux dire, les réformes qu'il a fait sur l'éducation, sur l'université et tout ça, bon, tu vois, c'est, typiquement, ça n'a rien à voir, hein. Mais effectivement, c'est un truc qui revient pas mal dans son argumentaire, enfin, que les gens utilisent, je me base sur ce que je vois sur les réseaux, hein, pas genre TikTok, Twitter, tout ça, hein, ça veut pas dire que c'est la France entière, bien entendu, mais j'ai l'impression que Macron a de plus en plus de personnes qui approuvent son comportement... déjà dans la guerre en cours, et qui sont en mode ok, au moins le mec on sait qui gère, quoi. Il y a pas mal ce discours là, genre en mode bon, il présente bien, il a du courage, tu vois. Ça me fait peur les élections cette année, j'ai 19 ans mais je me sens pas prête à voter, on ne s'en prend pas assez les bases de la politique. Ouais, tu m'étonnes. Ah, mais tu les entends où, Lisandre? Après, c'est pareil, tu peux ne pas approuver Macron, mais qui est en face? C'est ça le truc. Je trouve ça manque. Parce qu'en fait, personnellement, hein, bon, je te dis pas forcément pour qui je vais voter, parce que de toute façon, pour le moment, j'en ai aucune idée, sincèrement. J'approuve pas ce qu'a fait Macron ces dernières années, vraiment pas. Il y a des choses que j'ai pas approuvées. Il y a des choses que j'approuve, il y a des choses que j'approuve pas. J'aimerais ne pas avoir à voter pour lui, et je vais essayer de ne pas voter pour lui, mais techniquement, si on a le choix entre Macron et Zemmour, ouais, je vais même pas hésiter une seconde, en fait. Genre, voilà. C'est... Il y a une différence entre ne pas approuver et ne pas vouloir, tu vois, et... Je trouve que, ouais, on n'a pas un choix. D'ailleurs, c'est une thématique qui est pas mal sortie. Après, vous avez tout à fait le droit d'aimer Monsieur Zemmour, hein. Moi, c'est mon opinion personnelle, là, que j'ai dévoilée là. C'est pas du tout représentatif. Enfin, je dis pas que, voilà, vous avez pas le droit de l'aimer, bien entendu, vous faites ce que vous voulez. Mais, genre, je trouve ça assez ouf, le système des signatures aussi pour le maire. Ça, je pense, faudrait revoir que les gens choisissent directement, tu vois. Clairement, je comprends pas qu'on décide de revoter Macron. J'ai l'impression que c'est un genre de choix de sécurité en mode bon, c'était un quinquennat pourri, mais au moins on sait à quoi s'attendre, les autres risqueraient de faire pire. Bah, comme je viens de dire, hein. Moi, s'il y a le choix Macron-Zemmour, j'hésite pas, hein. Moi, ce qui me dérange avec Macron, c'est sa position. Je vais pas débattre avant les résultats du premier tour. Alors, ça, je comprends. Mais en même temps, c'est triste à dire, hein, mais vu la qualité des débats qu'on a depuis plusieurs années. Ça ne dérange pas. En fait, le problème, c'est que les débats reposent jamais sur le fond. C'est vraiment un duel de coq. Les débats présidentiels, à chaque fois, c'est affligeant.
Ils passent leur temps à s'envoyer des punchlines, à s'envoyer des bams. Les Français méritent mieux que ça. Vous ne connaissez pas le chiffre exact du pourcentage, du taux de machin. Mais on s'en fout, tu tapes sur Google, on l'a tous en fait. Ce qu'on veut, c'est genre vos idées profondes. Et ça, ça va jamais assez loin. Donc en soi, moi, le manque de débat entre eux me pose pas de problème. Je préfère qu'ils développent bien leurs idées tous sur les réseaux, comme c'est fait actuellement, avec des interviews, des trucs qui leur permettent d'approfondir vraiment ce qu'ils proposent. Parce que putain, ces dernières années, je crois que c'était dur à trouver. Perso, je sais pas pour qui voter, à chaque fois ils font de belles paroles mais pas beaucoup d'actions. Ouais, ça... Ah ok, Tam Tam, c'est qu'un mandat chez vous. Vous pensez vraiment que Zemmour va aller loin? Il est pas crédible pour moi. Bah, pff, il a du monde qui le suit, hein. Après, c'est pareil, sur internet il fait beaucoup de bruit, mais dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne? Il y a une grosse différence entre les réseaux sociaux et la réalité, hein. Mais ouais, en fait Zemmour, son charisme plaît. Après, le problème, c'est que vraiment, il faut aller au-delà, quoi. Ah bah Titi, je comprends. Ah, tu réponds Titi, ok. Oui, mais Jojo, c'est la démocratie. Dans ce cas-là, les gens, il faut qu'ils aillent voter. Enfin, c'est le choix du peuple, la démocratie, hein. Après, effectivement, je suis d'accord avec ça. Je trouve aussi que le système actuel pour sélectionner les présidents, en fait, en gros, si t'es pas déjà connu, genre si demain, toi, qui que tu sois, tu veux te présenter pour devenir président ou n'importe quoi, t'es niqué. C'est impossible d'avoir 500 signatures de personnes qui ne te connaissent pas, tu vois. Ce qu'il faudrait, c'est que tout le monde puisse se présenter. Ah, et putain, qu'on enlève le casier judiciaire aussi. Enfin, qu'on prenne en compte le casier judiciaire, vraiment. Parce que genre, tu veux être vendeuse, tu dois montrer un casier judiciaire vierge, tu veux être président, et c'est pas nécessaire. Ça pose un problème aussi, hein. Alors ça c'est un débat, hein. J'ai eu cette discussion avec un pote il y a pas très longtemps. Lui il est en mode, bah tout le monde devrait pouvoir se présenter, peu importe le casier. Ouais bah dans ce cas là tout le monde peut. Et pas juste une poignée d'élus populaires qui vient, c'est une sorte de secte leur bordel. Si t'es pas dans leur tout contact tu peux pas espérer percer, enfin. Un seul mandat et 4 candidats. Ok. Ok Tam Tam. Ouais, mais Cookie, j'ai l'impression que c'est ça depuis longtemps, en vrai. Dans ce cas-là, faut le vote blanc, Virginie. Et je suis d'accord avec toi. Pour moi, le vote blanc devrait être comptabilisé depuis très longtemps. Parce que là, actuellement, le vote blanc, c'est compté comme de l'absentéisme. Et c'est une putain de conneries en fait. Déjà de toute façon ça, je vois pas ce que ça leur coûterait en fait de le noter. Genre les gens se sont déplacés, les gens ont voté, ils ont voté que ça ne leur convenait pas. C'est à prendre en compte quoi. Ça je trouve ça vachement malhonnête que ce soit pas comptabilisé. Ouais Chani, ouais. Ouais, bah pareil, Lisandre, ouais. J'aimerais quelqu'un du peuple. Ouais, mais alors c'est pareil, quelqu'un du peuple, mais si c'est un connard, Oui, moi aussi. J'aimerais quelqu'un qui ait connaissance des réalités du terrain, en fait. Et qui les ait pas juste étudiées derrière un bureau. Alors, pas forcément qui y ait vécu. Genre, je veux pas forcément... Parce que de toute façon, c'est impossible de faire toutes les professions du monde, hein. Tu peux pas... Mais qu'il soit proche des gens et qu'il y ait une vraie envie de les aider. Là-dessus, je pense que Mélenchon, il est sincère. Après, il y a d'autres qualités, tu vois. C'est, alors, niveau social, oui, mais est-ce que derrière, niveau économique, niveau idée... Parce que c'est pareil, il y a l'idéal et il y a la concrétisation. Genre quelqu'un qui va dire, oui, tu vois, pour faire plaisir au peuple, donc nous, oui, les grandes fortunes, c'est des connards, ils ont tout l'argent de la France dans leur poche, je vais les taxer... À 200% plus qu'ils ne sont maintenant. C'est gentil. Du coup, le bas peuple, donc nous, on est en mode « Ah, c'est un copain !» Ouais. Du coup, le mec est élu. Et puis, les quatre grosses fortunes, là. « Ah, tu veux nous taxer à 200% ?» Eh ben, on va vivre en Belgique. Parce que là-bas, on est qu'à 90, donc... Ou en Suisse, parce que là-bas, on est à 12. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire, le président français? Parce que s'il n'y a plus même pas l'impôt actuel et que les mecs se cassent, il n'y a plus rien. Et en fait, le problème, c'est ça. C'est que je trouve que dans les promesses qui sont faites, en fait, c'est facile de pointer du doigt ce qui va pas. Je trouve que c'est facile de dire « Ouais, ce machin, de toute façon, faudrait taxer ça, et puis dire à ceux-là de faire ça. »
Et si les gens, ils le font pas? Qu'est-ce qu'on fait? Pareil pour le coup des usines, tu vois. Genre, oui, telle usine, elle a trop de pouvoir en France, c'est pas normal. Ok, alors du coup, elle va être taxée plus ou va y avoir un impôt ou machin. Et l'usine délocalise et part en Chine. Parce que là-bas, ils s'en battent les couilles. Ok, d'accord. Donc, du coup, 5 usines ferment en France, 2000 personnes au chômage. Les gens vont râler. Alors qu'on a appliqué des principes. C'est pas, je trouve que c'est pas tout blanc ou tout noir. Pour moi, c'est des réflexions à avoir qui sont vraiment importantes. Et c'est pour ça que, de ce point de vue-là, je méfie toujours du côté très tranché qui est donné en politique et qui, moi, me dépite. J'aimerais un discours neutre, en fait. En mode, bon, bah, je juge pas ce qu'a fait la personne avant moi. Je vais essayer de faire de mon mieux. Parce que, franchement, c'est compliqué. Et genre, juste qu'on nous dise la vérité. Genre, bah, j'aimerais bien taxer ces mecs. Mais en fait, bah, c'est compliqué. Enfin, voilà, je sais pas, juste... En fait, j'ai l'impression qu'on nous met trop de poudre aux yeux. Et j'aime pas être prise pour un jambon. Je préfère mille fois un mec qui me dise « Ok, ça va être la merde, je vais essayer, je vais faire de mon mieux, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça, je sais pas si je vais réussir. » Ok, bah fais de ton mieux, gars. Par contre, un mec qui me dit « Oui, alors moi, il n'y a pas de problème, ceux-là, je vais les plier direct. » C'est comme un gars avec qui tu as couché, tu sais. « Ah, tu vas passer la nuit de tes rêves. » Ok, ça promet déjà, ça va être une bonne soirée. Tu vois ? Je pense pareil pour les votes blancs, surtout que le compter comme absentéisme, c'est pas ouf. Puis s'il y a une majorité de votes blancs, les votes reflètent pas du tout la réalité. Ouais, de ouf. Ouais, ça je suis d'accord, Lisandre. Après, c'est pareil, t'as des gens, genre typiquement, t'as des gens dans le médical ou dans le niveau des profs qui ont pas du tout les mêmes opinions aussi, hein. Mais Kim, là-dessus, il a une idée que je trouve vachement intéressante, qu'en gros, il y ait des assemblées, entre guillemets, de scientifiques ou de professionnels qui soient effectivement, bah, comme tu dis, dans les trucs du gouvernement, quoi. Parce que là, pour le moment, c'est pas... C'est clair, Jojo, c'est clair. Encore une fois, Mélenchon a beaucoup de défauts, mais vraiment, son programme est le plus construit de tous, parce que ça fait longtemps qu'il le construit. Ouais, non, non, clairement, clairement. Mélenchon, c'est pour ça, je pense qu'il a, aussi ce respect de la part des gens. C'est que le mec, il arrive pas en mode... tu vois, il a des idées. Après, est-ce que c'est des idées qui sont applicables concrètement à notre... Parce que le truc, c'est qu'on n'est pas que... Il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que la France, il y a le monde. Donc si nous, en France, on change de régime, par exemple, par rapport à des taxes ou par rapport à des trucs, encore une fois, les pays autour, ils ne vont pas le faire. Donc les gens qui ne sont pas contents, ils vont se barrer. Il y a ça aussi, c'est ça qui... Moi, c'est ça que j'ai peur que ce soit un peu trop idéal, tu vois, le truc de Mélenchon. Mais je suis d'accord, je trouve qu'il a des idées aussi et... Attends, je cherche ma référence. YR33 et Y10. C'était pas Y10, si ? Il est au moins Y10, je ne sais pas. Ah non, c'est l'abricot. Ah bah non, c'est pas... Si, c'est ça. C'est pas ça. C'est ça. C'est quoi la RU, Joy? Y9. Je vais regarder. Je crois que Titi m'a dit qu'il l'avait noté dans Orga. Ah, il l'a noté. Merveilleux. Y10, Y8. Il est où mon Y8 alors? T'es sûr c'est Y8, Titi? Ah non, mais de toute façon, il te manque une ref. Parce qu'il y en a 4. Ouais, Lisandre, c'est ça qui est con, ouais. C'est peut-être la ref manquante. Mais surtout que je suis pas sûre d'avoir un Y8. Là, de sortie, j'ai... Non, tu dois peut-être avec GY8. GY8 et GY43, c'est pour les feuilles. Hop. Mais du coup, la RU, c'est la Russie. Ah, je l'avais pas. Du coup, Y10, c'est sûr. Et je crois que c'était YR33, hein. Ça, c'est les cheveux. Ça doit être Y10, YR33. De toute façon, est-ce que le YR33, il est sorti, mais il n'est pas noté. Donc oui, ça doit être ça.
Ouais, je suis d'accord, c'est lui-là. Oh, courage, papa Lu, on est avec toi! Ah, mais ça, c'est vrai que c'est un truc qui... Moi, ça m'agace beaucoup, hein. Les comportements puérils. Même, tu vois, genre... je crois que c'est Hugo Décrypte qui a fait des TikTok où les candidats répondent en... comment ça s'appelle? En quelques secondes, oui ou non, tu vois, rapidement. Et la question, est-ce que Macron est le pire président de la 5ème République? Tout le monde a répondu oui. Je suis en mode, les gars, vous êtes des gamins. Enfin, tu sais, puis même quand ils discutent entre eux, quand ils parlent de Macron, ils sont tous en mode, oui, c'est une honte. Vous voulez... Enfin, peut-être, hein, après, je... Voilà. Mais, enfin... Je trouve que ça perd de la dignité dans le débat public, en fait. Et j'aime bien la dignité, moi. Ça me plaît, j'aime bien ça. Je trouve ça sympa. Ouais, en une minute, ouais, c'est ça. Ouais, je trouve le principe super aussi. C'est juste... J'aimerais bien... Pour moi, le pire, ce sera toujours Sarko. Ah ouais. Ah, lui, c'était vraiment... Moi, ce qui me fume, c'est qu'il a encore un énorme pouvoir politique, Sarkozy. Je trouve ça incroyable. Le mec, sa première mesure, quand il est passé président, ça a été d'augmenter sa paye. Et toutes les sorties horribles qu'il avait... Ah, Sarko, c'était vraiment... Oh, putain. C'était vraiment fils de schlag, pour le coup. Hein. J'ai dit une méchanceté. Oui, bah... Il m'avait courroucé à l'époque. Hein. Mais après, c'est pareil, il y en avait qui en face. Puis c'est pareil, lui, niveau justice, s'il te plaît. Le mec, il a volé du pognon. Il y a des soupçons de meurtre, des bordels de conspiration d'horrible. Et le gars, il se balade. On a discuté de l'envoyer en Russie pour discuter avec Poutine. Mais gars, à quel moment t'es encore là, en fait? T'as été dans 50 000 affaires politiques pour détournement de pognon? Mais va dormir un moment, genre. Tu sais? En réalité, il a quand même pas mal déconstruit pas mal d'aide au peuple, Macron. On pense aussi à la fin de l'ISF. Ouais. Oui, clairement. C'est le problème de Macron. Hein. C'est clairement le problème de Macron. Il a stoppé plein de trucs. Hein. Sarko qui avait bien cassé l'hôpital public. On a vu le résultat de ce genre de politique ces deux dernières années. Ouais, de ouf. Oui, parce que pour le coup, il y a des choses qui sont mises en place aujourd'hui par Macron. On verra le résultat que dans plusieurs années. Là, on a encore la... En fait, là, on paye les régimes d'avant, hein. Il y a ça aussi. Donc, oh non, Sarko, c'était... Le fait de favoriser les riches, c'est ignoble. Bah, en fait, le truc, c'est pareil. De notre point de vue à nous, qui ne le sommes pas, bien sûr. Mais le fait de favoriser les riches, c'est pour qu'ils restent et qu'ils investissent en France. Il y a ça derrière, en fait. Mais je suis d'accord avec vous. De notre point de vue à nous, c'est dégueulasse. On galère, et t'as des mecs qui sont blindés de pognon, et on leur facilite encore plus la vie. C'est pas juste. C'est pas juste, mais qu'est-ce qui se passe si ces personnes-là sont froissées? Moi, c'est ça que je juge pas, tu vois. Pour le coup, là-dessus, j'ai mon sentiment, évidemment, personnel. Mais dire, est-ce que moi, j'arriverai à faire quelque chose de différent? J'en sais rien. Pour le coup, là-dessus, tu vois, c'est un point où on va dire je reste humble, parce que j'en ai aucune idée. Parce que moi, t'imagines, je sais pas, t'arrives au truc en mode « Oui, moi j'ai mes idéaux !» Et puis, ok, bah si t'as piqué tes idéaux, tout le monde se casse, et puis t'as tout ça qui te part, enfin... Ouais, non, mais c'est, la politique sociale de Macron est pas ouf, hein. Je suis clairement d'accord. Hein. Je trouve parfois l'hypocrisie de Macron perturbante. Commencer à vouloir la fin des sans-abri en France et à côté réduire les APL qui sont à destination des Français les plus précarisés, c'est un peu dommage. Oui, non, mais c'est ça. C'est pour ça qu'à la base, j'étais en mode je revoterai pas pour cet homme. Parce que, en fait, il voit trop en mode États-Unis. Il voit vraiment trop le pays en mode États-Unis et il veut qu'on se construise sur le même schéma. École privée face à l'école publique. Il délaisse les trucs qui sont gratuits. Il veut favoriser les trucs qui payent. Et je le comprends, hein. D'où vient le modèle. Mais c'est pas ce qu'on veut, nous. On n'est pas américain, quoi. Donc, moi, ça, c'est le point qui me dépite chez lui, quoi. C'est vrai, Tamta. Bah, c'est toi qui y a pensé en plus. C'est toi qui a fait le lien en mode que tu parlais de paix en ce moment. C'est pas idyllique ou machin. Tu sais déjà pour qui tu vas voter? Je pense avoir une idée pour le premier tour. J'aimerais essayer de faire un premier tour qui colle un peu. Le problème, c'est que je suis pas convaincue non plus. Je sais pas. Je suis pas emballée. Je suis pas emballée du tout et. Je sais pour qui je ne vais pas voter. Ça, c'est une certitude. Mais pour qui je vais voter. Pour le premier tour, je sais que je donnerai pas ma voix à quelqu'un que j'approuve pas, humainement parlant.
c'est trop beau les feuilles, je suis très très fan de ce que je fais. Bon, vous voyez pas bien les détails pour les feuilles, mais... Oui, bah du coup, Taubira, oui, non. Bah, tu te rends compte, Taubira, qui a pas eu ses 500 signatures, c'est pareil, c'est abusé. Il y a quand même des gens qui voulaient voter pour elle, tu vois. Je trouve que ce système des signatures, il a chié, hein. Mélenchon veut le changer, d'ailleurs, ça. Je me dis, Mélenchon, au moins, il changerait les bails, tu vois. À choisir. Macron, ça, je pense que... Macron, ça serait le moins pire niveau extrême ou genre rester comme avant. On va dire qu'entre Le Pen... Faudrait que je réécoute son programme, elle, le niveau caractère. Pff. Bon, Le Pen, Zemmour, Macron, voilà. Et de l'autre côté, bah t'as que Mélenchon qui peut lui tenir la jambe, quoi. Enfin... Je voulais voter pour elle. Pour Taubira ou pour Le Pen? Tu pourras jamais être 100% d'accord avec la personne. Oui, mais quand même. Oh, je déteste le débat politique, Titi. Je déteste ça. Je déteste ça. Je trouve que c'est une... La poudre aux yeux. C'est vraiment celui qui a le plus de charisme qui s'en sort et qui est le plus méchant. Et en plus, il y aura... En fait, c'est pas juste, en fait. T'élis pas quelqu'un parce qu'il a du charisme. Ou parce qu'il est bon orateur. Regarde Zemmour. Zemmour, c'est son travail. Qui va tenir face à Zemmour? Le mec, il coupe la parole, il lance des trucs odieux, il connaît ses sujets par cœur, mais il joue toujours sur les mêmes. Mais c'est un excellent orateur. C'est pas juste. En président, on lui demande pas de parler de ouf, on lui demande d'être compétent. Et je trouve pas ça juste que ce soit noté à la joute verbale. C'est pas un chroniqueur qu'on veut élire, tu vois. Alors, il faut qu'il ait une prestance et un charisme, oui, parce qu'à l'international, il faut réussir à tenir les discussions et à imposer son opinion. Mais par contre, le côté joute verbale qu'il y a pour les débats, je trouve ça extrêmement déplacé. Ah ben, je comprends pas, lui, hein. Il dit n'importe quoi en histoire, apparemment. Oui, mais le problème, c'est qu'on le sait en contre-coup. On le sait pas tout de suite. Et il est sûr de lui quand il parle. Quelqu'un qui te regarde dans les yeux en disant « Non, mais la Terre est plate. Elle est plate. Je te jure, elle est plate. Regarde, il y a ça qu'il a dit. » Le mec, il est persuadé. Bah toi, t'es en mode « Ok, tu commences à douter, tu sais. » Oui, non, mais ouais, Jojo, mais il faut pouvoir le prouver. Mais grave, petit ombre. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Elle est trop belle, ma fille. Voilà, je tenais à le dire. Elle est magnifique. Je comprends, Titi, mais c'est pas des bons débats bien construits, les débats politiques en France. Je sais pas si t'en as déjà vu, mais le débat Macron-Le Pen l'année dernière... Oh la vache! C'était le vide abyssal. Mani, non! Je préfère un président très charismatique qui va vraiment savoir être leader d'un pays entouré d'un gouvernement très compétent parce que de toute façon, le président peut pas tout connaître. Ah non! Alors attends! Je parle pas de tout connaître, je parle pas d'un mec qui connaît tous les faits et tout, ça je trouve que ça sert à rien. Je veux dire, t'as Google, t'as des documents, t'as des mecs qui vont te les dire de toute façon, tu vois. Genre quelqu'un qui dit « Oui, moi je connais le taux de chômage, c'est de 50,8 » et que Loïc Rosse « Ah non, c'est 50,7 !» Bouh! Oui, mais ça je trouve ça à chier, tu vois, genre on s'en bat les couilles, vraiment. Ça veut pas dire que le mec est pas impliqué dans son sujet. Je veux un mec qui ait du charisme, oui, mais qui surtout pour ses idées. Mais le problème c'est que face à un orateur, un mec qui a une formation là-dedans dont c'est le travail... Un mec qui va être timide et un peu réservé, qui va avoir de bonnes idées, mais qui ne saura pas forcément se défendre, bah, il va se faire niquer, quoi. Maintenant, c'est celui qui fera la meilleure punchline. Qu'est-ce que vous avez retenu du débat Macron-Le Pen? C'était dans les villes, dans les campagnes, et tout. On se le sort encore, quoi. Tous les dictateurs ont un max de charisme. Si tu n'en as pas, tu ne peux pas exercer de pouvoir sur le peuple, ni rassembler les gens influents à ta botte. Bah, c'est bien le problème. On ne veut pas un dictateur, on veut un président. C'était horrible pour avoir regardé aussi. Ben ouais! Et t'imagines. En Mélenchon, pour le coup, que j'aime beaucoup quand il cause à certains moments, mais quand tu le mets face à quelqu'un qu'il aime pas, il s'excite aussi beaucoup. Hein. Et c'est normal, ils ont tout approuvé en une soirée. Ah non, mais oui, c'était une catastrophe, Marine Le Pen, son débat. Hein. C'était. Parce que c'était pas un débat. Bah pareil, Jojo, ouais. Dans le sens que le charisme au max, ça sert pas en République. Ça sert quand même, mais évidemment, le charisme c'est toujours un plus. Mais je trouve que c'est trop mis en avant par rapport au fondement du truc, quoi. Après c'est personnel, hein, je comprends tout à fait. Et en vrai, j'aimerais bien un débat organisé, construit, posé, respectueux. J'aimerais bien, j'aimerais bien. Mais c'est pas ce que j'ai réussi à avoir ces derniers temps, quoi. Pour les livres... Je vais en mettre un en... Regarde ce bleu comme il est beau. Est-ce que le bleu, là, c'est pas le bleu de ta vie?
J'avais regardé le débat Mélenchon-Zemmour, c'était désolant. Ouais. Bah oui. Je suis bien d'accord. Et c'est navrant. Moi, je trouve ça navrant de nous présenter un truc pareil, en fait. Attends, je sors le bleu de notre vie. Genre le bleu là, avec ce rose là pour les ailes. Et les livres, je les mets de la même couleur. Oh là là, j'adore. Ah ouais, 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 ouais. On a le bleu de notre vie, le rose de notre vie là. Attends, il est où? Attends, c'est B340 le bleu de notre vie? Ou c'est le R25? J'ai un doute. C'est clairement B340. C'est clairement B340. Même si le R25 est très beau, hein. Mais B340, wesh. Le petit bleu là. Ah ouais, 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 il est beau, hein. Le petit bleu là, avec le petit rose là. C'est parfait. Je vais faire les livres et les ailes. Ça vous va? Je participe à un débat politique sans passer à deux doigts du ban et sans dire clairement que je suis un turbo-gaucho. Oh, Lisande, ça fait longtemps que t'as passé ce cap-là. Sois pas trop dur avec toi-même. Donc d'abord les livres. Faut pouvoir tenir face à des gens imposants et le charisme joue beaucoup. Vous auriez imaginé la rencontre entre Poutine et Hollande. Bah, pourquoi pas. En fait, en soi, il est obligé de l'écouter, hein. Enfin, je veux dire, démocratiquement parlant. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est bien, Jojo. Ah, ça m'étonne pas, Sweet, ça m'étonne pas. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup lu hier soir. Et j'ai quasi fini mon gros pavas. Je vous avais dit hier pendant le stream à 16h30 que j'étais à 60 et quelques pourcents. Je suis à 85 maintenant. C'est bien, Lisande. Bravo. Ça rend trop bien. Après, en vrai, enfin, je peux me tromper, hein. Mais je pense que... De toute façon, froisser, entre guillemets, les susceptibilités, comme tu dis... Je pense que ça ne marche jamais. Tiens, le RG30 pour le gris. Moi, je suis très adepte quand je discute avec les gens de « oui, mais » ou « je comprends, mais ». Parce que je trouve que... Même si les opinions sont très différentes des miennes, et Dieu sait que j'ai discuté avec des personnes qui n'ont pas les mêmes opinions que moi. Ouh là là, oui, beaucoup. En fait, à chaque fois, c'est leur chemin de vie qui les ont menés à ça. Genre, par exemple, une personne raciste ou une personne qui va faire des généralités ou qui va être sexiste, etc. Et je parle qui est aimable quand même, tu vois, mais qui a des idées qui ne sont pas les miennes, on va dire, politiquement, machin. Par exemple, bah voilà, ça peut être quelqu'un qui a travaillé toute sa vie dans un univers... Et qui a développé des idées préconçues sur une ethnie, sur un sexe, etc. Et j'essaie de, à chaque fois, de valider en fait son sentiment, de pas partir en mode non mais tu penses de la merde en fait, tu vois. Parce que je me dis que c'est offensant. C'est ça, Marine, ouais. Je suis pas d'accord, je suis pas vraiment d'accord, j'ai eu des débats très très houleux mais qui ont débouché sur une vraie avancée en termes d'idées des deux côtés, malgré les chaises qui volent pendant le débat. Ah ouais? Sérieux, putain, bravo. Enfin, bravo, cool. Moi, j'ai jamais vu, hein. Un débat où les gens s'énervent et que ça amène à un des partis à changer d'opinion, je dois avouer que j'ai jamais vu. Mais tant mieux, ça doit être une belle expérience. Écoutez, depuis que j'ai discuté convenablement avec un pro Zemmour, je n'ai fait que poser des questions et j'ai pleuré des larmes de sang tellement c'était contre mes valeurs, mais je n'ai pas crié. C'est beau.
Après, il y a des propos, j'ai du mal, hein, aussi, hein. Mais, tu vois, bon, voilà, par exemple, je sais pas, genre des potes à mes parents, ou... Je veux pas arriver et dire, ouais, t'es une grosse merde, tu vois. En général, je dérive de conversation, après, pour pas que ça parte au... en pugilat. Mais, bon. Ah, oui, ok, Lisanne, je comprends. Oui, bah Tam Tam, c'est aussi le sentiment que j'ai. Hein. Il y a mon petit rose poudré. Après, tu vois, je trouve que... Enfin, j'aime bien la façon qu'on a de discuter ici. Parce que... Bon, après, c'est vrai qu'on n'a pas eu de personnes... avec... Enfin, genre, je pense, trop pro-Zemmour ou... Non, qui viennent par là. Mais on a quand même eu déjà des discussions avec des personnes qui n'avaient pas les mêmes opinions politiques ou même ressenties. Et... J'ai pas l'impression que ce soit parti trop en cacahuète, quoi. Qu'est-ce que je fais avec ça, là? Parce que le problème, c'est que... Toi, du coup, tu vas être en rose parce que j'ai dépassé. Ça va et toi, Joe? Non, Chiki, tu vois, ce genre de propos, par exemple, c'est pas bien. C'est irrespectueux pour les personnes qui l'apprécient. Et irrespectueux pour la personne aussi. On peut dire qu'on n'est pas d'accord avec les idées de personnages politiques, mais critiquer sur le physique ou donner des surnoms désobligeants, je trouve pas ça bien. Et j'apprécierais qu'on ne fasse pas ici. D'ailleurs, j'aurais pas dû donner une appellation non plus tout à l'heure. Je crois que j'ai dit fils de schlag. Bon, c'était pour rigoler, mais c'était déplacé aussi de le dire pour Sarko. J'aurais tout autant pas dû le dire. Donc je m'excuse pour ça avec le recul. Je me suis laissé emporter. J'ai l'impression que la musique, ça fait penser à un indien dans la ville. Je sais pas pourquoi. C'est bien, Chiki. Bravo, Joe! Tant mieux, Faune. 11h20. Eh, hey, faut pas que je tarde trop, moi! Bon, de toute façon, j'ai bientôt fini mon feutre, en fait. Parce que faut que je regarde mon épisode de Pinocchio. Et après, cinéma! Lisandre! Ah bah tu vois Jojo, je suis pas si entière que toi. J'ai des potes qui aiment bien Zemmour. Et j'approuve pas du tout leurs idées. Mais ça reste des mecs bien. C'est juste qu'ils voient en cet homme quelque chose que moi je ne vois pas. Et inversement. Merci Luta, c'est gentil. J'allais faire mes courses, c'est une bonne idée. Putain, Zachary, respect. Hein. Justement, c'est pas parti en sucette ici car tu écoutes et échanges avec les gens sur ce sujet. Pourtant, la politique, c'est un sujet très touchy. Ouais, je sais. Je sais que c'est touchy. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage que ce soit touchy, justement. Parce que c'est en discutant et en... En parlant de nos ressentis, de nos vies, de nos opinions, de nos doutes, qu'on arrive à évoluer aussi et à se faire des opinions différentes, à... Tu vois? Je trouve ça bien de discuter. Moi, c'est pour ça que j'aime bien qu'on puisse parler de tout ici. C'est une grande fierté que j'ai de ça. De nous, hein, je parle.
qu'on arrive à avoir des échanges sains sur tous les sujets. Que ce soit sexualité, religion, politique, c'est important. Je comprends, Lisandre. Je comprends. Le gros truc là, il me fait schmout. Je vais quelle couleur, rose ou bleu? Peut-être bleu, parce qu'il y a la robe qui est déjà rose. Voilà, je me suis auto-répondue. Ouais, Jojo, ouais, je sais. Je sais. Mais moi, tu vois, je me dis, bon, bah, si cette personne, elle raisonne comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui l'y a amené. Peut-être qu'elle réalisera plus tard certaines choses, quoi. Le bleu de notre vie et le rose de notre vie, c'est quand même les meilleures couleurs. Hein. Elles sont magnifiques, Salaron. Je vais devoir te tourner mon bras. J'aimerais bien recolorier aussi la peinture aquarelle. Mais j'ai pas de papier assez bon pour ça. Ça me fait chier. Il ne nous reste plus que les ongles. Les ongles. Je pense que je vais lui faire du vert, le vert des feuilles, le vert foncé. Ça fait un petit clin d'œil. Ah bah tant mieux Joe, ça me fait plaisir. J'ai rarement pris un tel râteau. Pourquoi Lisandre? Ah! Et du coup, tadam! Est-ce qu'elle est pas trop belle? Merci pour follow Inès. Je suis contente, je suis très contente des couleurs. Même si je pense qu'effectivement les ailes orange et vertes auraient pu être très stylées aussi. Mais ça va parce qu'au final j'ai fait un rappel avec les livres donc du coup ça tranche pas trop non plus. Entre la ceinture et le bras c'est normal le blanc. Oui c'est le fond Tam Tam. Je suis très contente. On l'a fait en combien de temps? 1h, 2h. Oui 1h54, oui 2h quoi. Oui, Théo, non mais bien sûr, bien sûr. C'est la base. Non mais pareil, il y a un mois quelqu'un qui me dit où ouais, les femmes leur place à la cuisine. Ça va pas être mon pote, hein. C'est. Voilà, c'est. On est d'accord, ça va. Ou même, ouais, les LGBT, faut les brûler. Ça va pas être mon pote non plus, hein. Non mais voilà, il y a des valeurs de base, on est d'accord qu'il faut avoir en commun. Après, si la personne veut voter Zemmour parce qu'elle voit quelque chose en lui que moi je vois pas. Et que ce que moi je vois, il fait mais non, c'est, il a été maladroit quand il l'a dit, tu vois, c'est plus compliqué. Très belle émote, Titi. Je suis très contente, on a bien bossé. Du coup, la prochaine fois, il faudra faire les ombrages. Je vais ranger tout ça. Alors, le BG. Il va où le BG? Bah, il va avec les gris, je dirais. Hein. Le jaune, ah, les gris. J'ai sorti beaucoup de jaune, hein. Beaucoup de vert surtout. En même temps, elle a la peau verte, donc forcément, quand on part de là, tout est possible. Hein.
J'ai Y. Ah, j'ai plus Salto. Parce que j'avais que des mois d'essai. Et du coup, avec Kim, on s'est regardé la titrerie hier, mais avec nos avec notre DVD. Parce que je les ai en DVD. Mais toujours cette titrerie, du coup. Oui, je comprends. Ouais, voilà, mais voilà, Zachary, voilà, on est d'accord que... on va dire que je peux... on va dire que les personnes en général que je côtoie qui ont une opinion politique différente de la mienne, c'est souvent parce qu'ils s'arrêtent à des choses que moi je vois... Enfin, tu vois, ils choisissent de nier certains trucs. C'est pas... ou de mettre en avant certains autres. Ça n'a jamais allé à un propos... Salto est plus en partenariat avec toi. Bah en fait, c'est pas officiellement fini. Je sais plus, attends. Ah bah c'est bon, j'ai un nouveau code. Bon bah voilà. C'est attends, je vais lui répondre tout de suite. Merci. C'est en fait, c'est parce que quand t'es partenaire avec eux, t'as un code de 3 mois. Et du coup, à la fin des 3 mois, tu l'as plus. Du coup, j'ai demandé, j'ai dit à Lucie que je fais... Ah, parce que hier, on voulait regarder la petite prairie avec Kim. Eh bah, plus Salto. Ah, plus Salto. Du coup, j'ai envoyé un message à Lucille, genre « Lucille, j'ai plus Salto !» Et elle m'a envoyé le code là. Ouais, 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 c'est survenu. Mais j'ai la flemme aussi. Hein. Ah, normal, sweet. Elle dit « J'ai pas regardé, mais je connais. » De quoi tu parles, sweet? Ah, pour Charme, pardon, j'avais pas vu que tu répondais. Du coup, mes enfants, je vous laisse là. Il est l'heure d'aller faire pipi, déjà. C'est en plus le soleil, tu vois. Quand le soleil commence à me tomber sur la gueule, c'est qu'il est temps de s'arrêter, parce qu'après, ça arrive sur le coloriage. Je vais donc faire pipi, je vais manger devant Pinocchio, et après, faut que je prépare ma vente Vinted. Parce que j'ai vendu une BD sur Vinted, il faut que j'expédie aujourd'hui. Et après, je vais au cinéma voir Batou. Est-ce que Batou va être bien? Je ne sais pas. On espère tous. Je vous fais une... non. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne journée. Parce que je vous fais une bonne journée, ça n'a aucun sens. Je vous aime très fort, on se retrouve. Alors attends. Demain, alors je ne sais pas s'il y aura une vidéo demain parce que ça dépend si je reçois ma cube. Mais on se retrouve demain en stream. Pour, je pense, les nouveautés littéraires du mois. Parce que ça me hype beaucoup. Je vous fais plein de bisous, passez une très bonne journée, profitez bien. Et je vous aime. Fort. Bisous! Bon app! Mangez bien! Pensez à moi quand vous mangez. Parce que manger, c'est bien.